Dans l'apparence, le chiour semblera beaucoup centré autour de la paracha de Shabbat dernier. Comme il m'arrive de le dire, et c'est également un point qui est développé très largement par le Sfat Emet, il compare la semaine à la menorah du Mishkan, ou du Beit HaMikdash, laquelle avait une tige centrale verticale avec la lumière médiane. Les autres lumières étaient penchées, il y a plusieurs interprétations, dirigées vers la lumière centrale. Lui dit que ça représente la semaine. La semaine a 7 jours, la menorah a 7 lumières. La lumière centrale, c'est le Shabbat. Il y a 3 jours qui le précèdent et 3 jours qui le suivent. Les 3 jours qui précèdent dépendent, dit-il, du Shabbat à venir. Et d'ailleurs, le mercredi matin, après le psaume du jour, Kel Nekamot, on enchaîne sur le psaume suivant qui dit « Lechun ranana naria letzurishenu » qui nous rappelle bien entendu Kabbalat Shabbat. Par contre, le dimanche, lundi et mardi dépendent du Shabbat précédent. Voilà ce que dit le Sfat Emet. Comme il se trouve que je vais citer un certain nombre d'enseignements du Sfat Emet, je suis donc à l'aise pour nous dire qu'au lieu de parler de la paracha de la semaine prochaine, principalement Toledot, on parle plutôt de Chaye Sara. Mais en vérité, le sujet recouvre, comme vous allez l'entendre, la période des Avot et des Imaot, et donc n'est pas limité ni à Chaye Sara ni à Toledot, même si la plupart des extraits de textes ou de Midrashim que je serai amené à citer sont centrés autour de Chaye Sara. Donc ceci était une introduction pour savoir de quoi on va parler. Mais justement, de quoi allons-nous parler? Je m'inspire fortement d'un shiur de Rav Grunstein de Paris qu'il a donné l'an dernier à la même époque. Je l'ai adapté à ma manière. Lui, il a appelé la maîtrise du temps. Laissons-lui l'honneur de ce titre, mais peut-être, après coup, vous verrez vous-même qu'il y a peut-être d'autres choses également qui auront été dites. Bezrat Hashem. Le temps est un paramètre très important qui régit la vie humaine. Il faut savoir l'utiliser de la meilleure manière. Un midrash, pas toujours connu, à propos d'Adam Harishon, dit la chose suivante: s'il avait attendu le Shabbat, c'est-à-dire 1 heure ou 2 heures d'après les Midrashim, la consommation du fruit aurait été autorisée. Et donc, à cause de la précipitation, de mauvaise gestion du temps, si l'on peut dire, il est arrivé ce qu'il est arrivé. Un événement bien plus connu dans lequel la mauvaise gestion du temps joue un rôle capital, là ce ne sont plus des midrashim, c'est le texte de la Torah lui-même, il s'agit du veau d'or. Vous savez bien que Moshe Rabbeinu devait revenir au bout de 40 jours, pour des raisons que je ne détaillerai pas parce que ce n'est pas le principal objet de mon shiur d'aujourd'hui. Il y a eu une mauvaise gestion du temps, les Bnei Israël ont cru que les 40 jours étaient terminés, Moshe Rabbeinu ne descendant pas, et puis le Satan se mêlant et montrant, soi-disant, un cercueil qui flottait dans les airs, qui aurait pu représenter celui de Moshe Rabbeinu. Il est arrivé ce qui est arrivé, et avec un peu plus de patience, le veau d'or n'aurait pas eu lieu d'être. On peut donc dire d'une certaine manière que les pires choses peuvent arriver parce que le temps n'est pas gérer ou utiliser correctement. Nous allons essayer de montrer qu'au contraire, les Avot HaKdoshim ont une capacité de gérer le temps, et en fait, plus précisément, leur existence, leur vie, d'une façon qui est absolument remarquable et dont je souhaite qu'elle puisse nous inspirer dans notre vie quotidienne. Même si nous ne sommes pas, évidemment, à la hauteur des Avot, nous devons essayer de faire un effort dans leur direction afin de mettre en pratique ce qui va être Bezrat Hashem enseigné au cours de cette heure. La première marque dans le temps qu'ont fait les Avot,
elle est bien connue. Il s'agit des trois tfilotes. Avraham Tiken Tfilat Shacharit. Avraham a donné un contenu particulier aux premières heures du jour en instituant la tfila de Shacharit. Comme vous le savez, Yitzhak, celle de Mincha, Yaakov, celle de Arvit. La qualité et la différence entre ces différentes tefilotes pourraient faire l'objet d'un cours indépendant. Mais en tout cas, on voit ici déjà des bornes qui sont mises dans le temps. Et plus tard, nous parlerons d'essayer de comprendre comment les mêmes tefilotes, ou plus généralement les mêmes mitzvot, peuvent se présenter quotidiennement et avoir une dimension renouvelée ou différente chaque fois, au-delà de ce qui pourrait naître et qui ne devrait pas être une simple répétition routinière. Sur la vie de Avraham et de Sarah, puisque ce sont eux les premiers des Avot et des Imaot, la Torah s'exprime avec une terminologie bien précise et assez particulière. On parle d'Avraham et Sarah, Zekenim. Ils sont devenus vieux. Baim Bayamim, avancé dans les jours. Traduction littérale. Cela a été dit dans les parashiot précédentes. Dans la parasha de Chaye Sarah, on répète, après la disparition de Sarah, concernant Avraham Avinu, Avraham Zaken Baba Yamim Vashem Berach et Avraham Bakol. Donc on répète à propos d'Avraham Avinu cette expression qui semble être un peu redondante, répétitive, Zaken Baba Yamim. Sauf erreur, nulle part ailleurs dans la Torah, dans les Hamisha Humshe Torah, est utilisée cette expression double, Zaken Baba Yamim. Par contre, on le retrouve, disons cela pour notre culture juive générale, concernant Yehoshua, on dit qu'il est Zaken Baba Yamim, également à propos de David HaMelech. Toutefois, il est intéressant de noter, en fait, il s'agit de la Haftara que nous avons lue Shabbat dernier, HaMelech David Zaken Baba Yamim, et etc. Ce n'est pas apparemment une remarque qui semble concerner David lui-même. En effet, toute la vie de David, elle se déroule, pas principalement, mais à 99%, dans les Sfarim de Shmuel Aleph et Shmuel Bet. La Haftara que nous avons lue Shabbat dernier, qui commence par ces mots « Ve'amelech David Zaken Baba Yamim », c'est le début du Sefer Melachim. Le Sefer Melachim parle dans les premiers chapitres du règne de Shlomo HaMelech. À la limite, on a l'impression que cette définition concernant David de Zaken Baba Yamim ne le concerne plus, elle concerne déjà le passage de flambeau entre David HaMelech et son fils Shlomo. On a la même chose pour Avraham et Sarah, Zaken Baba Yamim. Est-ce qu'on veut nous dire par là que leur temps est dépassé? Il y a eu le temps d'Avraham, après il y a eu le temps de Yitzhak. Il y a eu le temps de Sarah, après il y a eu le temps de Rivka. En vérité, il y a une différence, au moins technique, d'apparence, assez grande entre le passage de flambeau, si je puis dire, d'une part entre Avraham et Yitzhak, Avinu, et entre Sarah et Rivka. À savoir que, après la Akeda, il semble que Avraham Avinu ne soit plus tellement présent. On passe à Yitzhak. C'est du vivant d'Avraham Avinu qu'on passe à la période de Yitzhak. Par contre, Rivka n'apparaît que à la fin de la paracha, lorsqu'elle est mariée avec Yitzhak, et cela est déjà après la disparition de Sarah. Il est vrai aussi que la disparition de Sarah est considérée par la tradition comme prématuré, dû à des raisons que je ne rappellerai pas maintenant. Par contre, il est intéressant de voir ce que les commentaires disent, puisqu'en fait, j'ai posé la question
mais je n'ai pas répondu qu'est-ce que ce redoublement de Zaken et Baba Yamim. Dans le Tanakh, au début de Melachim, sur le verset 1 du chapitre 1 de Melachim Aleph, le Metsudot David, commentaire classique, synthétique, qui en général rapporte l'essentiel de ce que les commentaires précédents disent, propose l'explication suivante. Zaken, c'est une question d'apparence. Quelqu'un apparaît comme étant âgé. Il peut arriver, comme c'est souvent le cas chez nous les Sfaradim, que quelqu'un qui ait 30 ou 40 ans ait une barbe et des cheveux totalement blancs. Et ceux qui ne le connaissent pas pourraient lui attribuer, sans penser faire erreur, 50, 60 ou 70 ans. Donc là, c'est une question d'apparence. Et d'après Metsudat David, Baba Yamim, ça veut dire qu'il s'agit d'une vieillesse qui colle avec l'âge. Il y a des vieillesses en quelque sorte prématurées, qui ne sont pas en harmonie avec la réalité des artères, et il y a des vieillesses visibles qui correspondent à un âge qui justifie l'apparence de vieillesse. Par contre, concernant Avraham Avinu, les commentaires des Chazal sont extrêmement différents. Ils disent qu'il y a deux notions. Il y a une notion de Zaken et une notion de Baba Yamim. Aucune des deux n'implique réellement une question d'âge proprement dit. Mais c'est une question d'usage du temps, question d'utilisation du temps. C'est une question de qualité de la vie qui s'est déroulée jusqu'au moment où l'on parle de ces personnages ou de ces tzadikim. À savoir, Zaken, la Gemara dans Kiddushin utilise cet acronyme, c'est-à-dire Hachetevot, Zaken Zekana Chorma. On appelle Zaken celui qui a acquis de la sagesse. Cela va même avoir des implications dans la halakha. Dans Vayikra, c'est marqué Mipne Seva Takum. On doit se lever devant Seva, quelqu'un qui est âgé, d'après le Pirkei Avot. Sauf erreur, c'est quelqu'un qui a 70 ans. Et la suite du verset, « Ve'adarta, tu feras honneur, pene zaken, à la présence, au visage d'un zaken. » Et alors, la Gemara dit, pourquoi répéter deux fois ce qui semble être la même chose? Elle dit non, « Zaken zekana chokma. » Un Talmid Chacham fut-il jeune? Je nous rappelle, en passant, que le mot Avrech, qui apparaît la première fois à propos de Yosef à Tzadik, est interprété par Rashi comme voulant dire Av bechorma verach bechadim. Quelqu'un qui est déjà un maître dans la sagesse, tout en étant extrêmement jeune encore par rapport aux connaissances qu'il a. Pour un tel Avrech, je dis ça au sens bien sûr de Rashi, un Talmid Chacham, fut-il très jeune, on doit lui rendre du kavod à partir du deuxième hémistiche du verset qui nous dit Vehadarta pene zaken. Tu feras de l'honneur à celui qui est zaken, même s'il n'est pas Seva, bar Seva, ni même vieux. Il n'est pas âgé, mais puisqu'il est zaken, zekana chorma, c'est une qualité, donc ça n'a plus rien à voir directement avec l'âge en tant que tel. Ça a à voir avec ce que l'on a su intégrer et connaître et enseigner éventuellement de Torah, indépendamment de l'âge, on peut être Zaken jeune. Voilà ce qui ressort de ce que disent les Chazal à propos de ce mot Zaken. Et que disent-ils à propos de Baba Yamim? Et c'est peut-être l'essentiel de la première partie de ce shiur. Baba Yamim, il vient avec ses jours. Vient avec ses jours. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Sfat Emet, il dit... Pardon? Une femme qui est de l'apportement lui donne aussi ce même respect. Sans doute. Ce que j'ai en tête comme halakha, qui est une halakha extrêmement précise, est chez travers comme au chaver. La femme d'un Talmid Chacham doit être honorée en tant que telle,
Et je connais beaucoup d'histoires, notamment lorsque ces femmes, comme c'est souvent le cas, vivent plus longtemps que leur mari, donc elles deviennent veuves, que les rabbanim ont un très grand respect, se lèvent devant les veuves de rabbanim ou de talmidei chachamim et leur font un kavod exactement autant qu'ils le faisaient de son vivant à leur mari. Je n'ai pas directement en tête un texte qui répondrait à votre question, j'ai répondu en biaisant, mais je ne peux pas inventer une halakha que je n'ai pas en tête. Maintenant, kol hakavod aux femmes qui sont talmidei chachamim, mais je pense que, étant donné que la tzniout et la discrétion font partie du caractère féminin beaucoup plus que les hommes, qui même, malheureusement, talmidei chachamim, parfois aiment bien se pavaner, je parle par expérience, bien entendu. Donc, une femme talmid chacham, elle se gardera bien de faire savoir qu'elle est une savante, et au contraire, elle sera encore plus discrète qu'une femme quelconque. Voilà ma réponse. Maintenant, je reviens au Sfat Emet. Le Sfat Emet, il explique Baba Yamim en rappelant une chose que nous connaissons toutes, moi comprise, mais dont on ne saisit pas toujours les implications. Dans le texte de Shacharit, dans la première beracha du Shema, nous disons « Hamehadesh bechol yom tamid betuvo ma'ase bereshit » Akadosh Baruch Hu renouvelle dans sa générosité chaque jour l'acte de création. D'autres commentaires vont encore plus loin que chaque jour. Mais c'est chaque seconde ou même chaque... Aujourd'hui, on sait diviser dans la science la seconde non plus en centième, c'est rien. On divise par 10 puissance moins 12. Un milliardième, deux millionième de seconde, certains événements physiques, certaines particules, ont une durée de vie qui ne peut être estimée que dans des fractions de seconde qui dépassent totalement la compréhension humaine, mais physiquement, ça a une existence. Nos maîtres disent, et là je fais une petite digression avant d'aborder le Sfat Emet qui dit la même chose, mais sur la durée d'un jour, qu'à tout instant où Akadosh Baruch Hu ne souhaiterait pas que le monde continue à exister, il disparaîtrait instantanément. Autrement dit, toute seconde, parce que bon, un temps plus court ne nous est pas vraiment appréciable, toute seconde où le monde existe, nous sommes directement bénéficiaires d'un tov, d'un bienfait d'Akadosh Baruch Hu. On pense souvent qu'Akadosh Baruch Hu, il est sympa, il a créé le monde il y a 5775 ans et des poussières. Bon, d'accord, mais enfin bon, on est tellement habitué qu'on ne ressent plus l'immédiateté ou le fait que nous soyons personnellement bénéficiaires de la chose. Il a fait ça il y a longtemps, on est sur les acquis. On a une certaine force d'inertie sur l'existence du monde. C'est une erreur d'après les Chazal, le monde n'existe que tant et autant qu'Akadosh Baruch Hu souhaite qu'il existe, et chaque fois que nous avons une seconde de vie, pas seulement pour nous, mais de l'univers à notre disposition, nous sommes directement branchés sur un acte de générosité créateur de la part d'Akadosh Baruch Hu. Voilà ce que disent les Chazal. Que dit le Sfat Emet? Il dit la même chose, mais en se référant plus strictement au texte qui a été cité, « Amechadesh b'chol yom, b'tuvo, b'chol yom ». Donc il dit que la recréation... Désolé, ce n'est pas encore la récréation. La recréation, elle a lieu tous les jours. Akadosh Baruch Hu recrée le monde tous les jours. Et il pose la question, qu'est-ce que cela peut bien nous faire? Que Akadosh Baruch Hu ait fait une création qui soit, par son vouloir, autonome et qui tienne en permanence, sans qu'Akadosh Baruch Hu ait besoin de renouveler le contrat à chaque instant ou chaque jour, ou bien que Hachem le renouvelle chaque jour, merpatli. Qu'est-ce que ça peut bien changer à ma vie? Il y a, dit le Sfat Emet, une différence fondamentale entre ce qu'est la réalité et ce qu'elle aurait été si nous étions bénéficiaires d'une création ancienne. Le monde a été créé par Akadosh Baruch Hu, et donc c'est la source de l'existence, la source de la vie, elle provient de l'instant T0 où le monde a été créé. Si le monde n'était pas recréé en permanence, nous serions à 5775 ans de distance de Akadosh Baruch Hu, en quelque sorte, de la manifestation, qui est la manifestation numéro un. La deuxième, bien sûr, c'est Mahamad Arsinaï. Mais en ce qui concerne la création du monde,
nous serions très éloignés et peut-être totalement ou partiellement déconnectés du lien avec Akadosh Baruch Hu. Ce lien s'étant manifesté par l'apparition de l'univers. Si les Chazal, disent le Sfat Emet, nous enseignent que le monde est renouvelé chaque jour, cela veut dire que nous avons une opportunité, une chance, une capacité, une possibilité chaque jour de nous rebrancher. Vous savez bien comment c'est avec les portables. Il faut les rebrancher tous les matins. Eh bien, l'Avdil, c'est la même chose. Les mitzvot que nous faisons, il ne suffit pas de l'avoir branché une fois il y a 3300 ans au moment de Matan Torah. Tous les jours, on peut se rebrancher. C'est d'ailleurs ce qui est marqué dans Kriyat Shema. Asher anochi metzavecha hayom al levavecha. Voici les mitzvot que je t'ordonne aujourd'hui. Ce n'est pas marqué hein, le 6 ou 7 Sivan 2448, mais marqué aujourd'hui. Alors bon, vous direz que, étonné que le schéma a été dit la première fois à ce moment-là, on le met aujourd'hui, mais c'est l'aujourd'hui d'il y a 3000 ans. Non. Rashi dit Bechol yom yu benecha chadashim. Rashi ajoute, ne considère pas que la Torah et les mitzvot qu'elle comprend, c'est comme une décision, un décret lointain qui n'intéresse plus personne. Hein. Vous connaissez la constitution de 1793, hein, la convention. J'ai rien à en faire, moi. Quand bien même, elle régit encore aujourd'hui un certain nombre des données de la vie. Bon, là, je parlais en tant que Français. Hein. Enfin, vous m'avez bien compris. Donc, les Chazal disent, nous devons considérer comme si la Torah avait été donnée aujourd'hui. Le Sfat Emet, il va plus loin. Il dit pas, nous devons considérer comme si. C'est la réalité. Nous avons chaque jour la possibilité de nous rebrancher sur la source même de l'existence, c'est-à-dire le lien avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est cela l'idée forte qui est sous-entendue par cette phrase « Amehadesh betuvo bechol yom tamid maase bereshit ». Autrement dit, les mitzvot que je fais aujourd'hui n'ont rien à voir avec celle d'hier. Je dois renouveler la façon dont je fais une mitzvah. Alors, comment la renouveler? Rav Volbe pose la question et répond. La tfila, le sidour, n'a pas changé. Mais moi, je dois avoir changé. Qu'on le veuille ou non, on évolue. En souhaitant qu'on évolue positivement, dans un bon sens. Mais qu'on le veuille ou non, nous ne sommes pas dans le même contexte aujourd'hui que nous étions hier. Et Rav Volbe nous dit, c'est donc cette évolution que nous vivons à travers le déroulement de notre existence qui fait que nos tfilot, fondamentalement, ne peuvent pas être les mêmes. Sauf évidemment si on se contente de balbutier des mots sans faire attention au contenu de la tfila elle-même. Le Sfat Emet dit cela également, et je voudrais citer un exemple connu de ceux qui le connaissent, le Rav Saadia Gaon, un des grands maîtres du 9e ou du 10e siècle de l'ère chrétienne, un des Gaonim, un grand maître de la pensée juive et du Talmud. Rav Saadia Gaon, il faisait tshuva tous les jours. Il disait chaque jour, j'ai besoin de faire tshuva. Je ne me suis pas comporté hier comme je l'aurais dû. Est-ce qu'il se soupçonnait d'avoir oublié de mettre les téfilines ou d'avoir mangé du chazir, chassou shalom? Absolument pas. Alors on lui a demandé, ses talmides ont demandé, mais c'est quoi cette teshuva? Il a répondu, il dit, j'ai appris un peu plus de Torah hier et je me suis aperçu que l'image que j'avais d'Akadosh Baruch Hu, elle était très lacunaire, elle était insuffisante. Si j'avais su hier la grandeur de Akadosh Baruch Hu que je la connais un peu plus aujourd'hui, j'aurais fait une avodat Hashem différente. Donc je fais teshuva sur ce manque dans ma avodat d'hier par rapport à celle d'aujourd'hui. Alors il s'agit évidemment d'un gadol, nous ne sommes pas à cette hauteur, mais c'est pour bien voir combien la gestion du temps par les gens qui sont soucieux de servir Akadosh Baruch Hu d'une manière aussi parfaite que possible peut avoir un impact
très important. Alors vous savez bien que Baba Yamim, l'explication classique des commentaires, elle n'est pas du tout contradictoire à celle du Sfat Emet. Elle est un peu plus d'apparence banale, mais on va un peu l'analyser, si vous le voulez bien. Ils disent que Sarah, Imenu, Avram, Avinu, pouvaient se présenter l'une à 127 ans et l'autre à 175 ans, avec tous les jours de leur existence pleins. Baba Yamim, un jour pendant lequel on est relié à Kadosh Baruch Hu par nos mitzvot, par notre attitude vis-à-vis d'autrui, par notre étude de la Torah pour les hommes, par notre tzniout pour les femmes, un tel jour, c'est un jour qui existe. Un jour où je n'ai rien fait pour évoluer ou pour accomplir des mitzvot, c'est presque un jour qui disparaît de mon calendrier. Ce qui fait, et j'en reviens un peu à l'idée précédente, qu'on peut avoir quelqu'un qui a 100 ans, mais qui, point de vue mitzvot, il est encore à peine bar mitzvah. Il a peut-être 2-3 semaines après sa bar mitzvah, le contenu de ce qu'il a fait de réellement valable dans sa vie, à 100 ans, il a encore 13 ans et quelques jours. Inversement, des grands tzadikim, on a des grands maîtres de la Torah, dont on est stupéfait d'apprendre quand on fait un peu d'histoire, qui sont morts à des âges qui nous stupéfient, sont vraiment très très jeunes. Le Harizal, le Ramchal, de grands grands maîtres de la... tous les deux morts avant 40 ans. C'est... D'abord, on est stupéfait qu'ils arrivent à avoir fait tant de sfarim si jeunes. Le Rav Kaplan en Amérique qui a fait une tshuva, il devait avoir 25 ans, il a écrit, je ne sais pas combien de livres il a écrit, extrêmement intéressant, il est aussi niftar avant 50 ans. Donc, mais c'est la densité de la vie qui compte et non pas la durée de la vie. Or, Avram, il est zaken, au sens que, bien sûr, 175 ans, c'est beaucoup, mais il est Baba Yamim, pas un seul jour, nous disent nos maîtres, que ce soit Sarah ou que ce soit Avram, n'était jeté à la poubelle, si j'ose dire, en faisant un non-emploi ou un emploi insuffisant. Baba Yamim, venir avec des jours qui sont pleins. Alors on va venir, ou revenir, ou reculer même apparemment pour mieux sauter au début de la parashat Chayesara avec la fameuse phrase « Vayiyu Chayesara » Meashana, Vesrim Shana, Vesheva Shanim, 100 ans et 20 ans et 7 ans, avec le fameux Rashi que vous connaissez sans, certainement, qui dit qu'à 100 ans, Sarah était aussi dépourvue de fautes qu'à 20 ans, et à 20 ans aussi belle qu'à 7 ans. Autrement dit, elle était aussi pure et innocente à 100 ans qu'à 20 ans, et nous dit Rachid après le Midrash, aussi belle à 20 ans qu'à 7 ans. Et le Midrash d'ajouter, Sarah était tmima. Tmima. Entière, ce mot tamim, il est important. On va y revenir et ramener un deuxième commentaire du Sfat Emet à propos de ce mot tamim. En fait, le Midrash que cite Rachid au niveau de l'explication de la raison pour laquelle on dit, au lieu de dire 127 ans, on dit 100 ans et 20 ans et 7 ans, il commence par citer un verset de Tehilim. Dans le chapitre 37 de Tehilim, il y a une phrase qui dit la chose suivante, « Yodea Hashem yeme temimim venahalatam le'olam tehiye. » Je traduis, « Akadosh Baruch Hu connaît les jours des gens temimim. » Alors le mot tamim, je ne traduis pas, ou si vous voulez, je le traduis pour celles qui n'ont aucune connaissance de ce que ça veut dire par parfait, mais on va justement analyser le sens de ce mot tamim d'après Sfat Emet dès qu'on aura terminé la citation du Midrash. Donc ce Midrash dont Rashi extrait l'enseignement concernant la comparaison entre la centaine, les vingtaines et les sept années, ce Midrash commence par cette affirmation, c'est le début du Midrash Rabba de Chayesara, sauf erreur de ma part. Yodea Hashem yemet mimim nachalatam l'olam tiye. Akadosh Baruch Hu connaît les jours des personnes qui sont parfaites et leur héritage sera sans limite. Le Midrash ajoute que Shem Shehem temimim car Shnotam temimim. On aurait pu dire Yemehem, enfin c'est marqué Shnotam. De même qu'ils sont
entiers, de même leurs années sont entières. En passant, cela nous fait penser à un enseignement connu de nos maîtres qui disent que les tzadikim, ils meurent à un nombre d'années entiers. Ils meurent le jour même de leur anniversaire. L'exemple type, bien entendu, c'est Moshe Rabbeinu, né le 7 Adar et mort le 7 Adar, ce qui a d'ailleurs trompé Haman, qui s'est réjoui lorsqu'il a vu que le tirage au sort tombait sur le mois d'Adar. Il dit « Ah, c'est la mort de Moshe Rabbeinu ». Mais, nous disent nos maîtres, ils ne savaient pas que c'était aussi la naissance de Moshe Rabbeinu, que donc ce qui peut avoir de néfaste d'un côté était équilibré ou neutralisé par ce qu'il y avait de positif de l'autre côté. Donc voilà ce que dit le Midrash. Que Shem, Shehem, Mimim, de même que les gens bien sont des gens qu'on qualifie de Temimim, de même leurs années sont Temimim. Alors qu'est-ce que ça veut dire des années Temimim, hein? L'année, s'il y a 365 jours, un quart et des poussières, elle est Tmima. Hein? Ou bien s'il y a 354 jours et tout. Hein? On va essayer de voir de quoi il s'agit. Lorsqu'on dit, puisqu'à propos de Sarah, qu'on dit cela, qu'elle est Tmima, et que même qu'elle, elle est Tmima, ses jours et ses années sont Tmimim, ça veut dire qu'elle n'était pas soumise à l'emprise du temps. La beauté dont on va reparler, qu'elle avait à 7 ans, elle l'a gardée à 20 ans et à 100 ans. La pureté, absence de faute qu'elle avait à 20 ans, elle l'a gardée à 100 ans. On va essayer d'analyser. Cette analyse, elle est faite d'une part par le Rav Shimshon Raphaël Hirsch et précisée un peu plus par le Rav Yosef Dov Soloveitchik des États-Unis, Zecher Tzadikim Livracha. Rav Shimshon Raphaël Hirsch s'interroge parce qu'il y a des gens qui disent quand même la beauté d'une femme, c'est plutôt à 20 ans qu'à 7 ans. Donc lui, il explique déjà un point très important, que lorsqu'on parle de beauté, c'est la beauté de la neshama, plus que la beauté physique, et qu'à 7 ans, il y a une pureté et une absence de toute faute possible. Alors qu'à 20 ans, il est vrai que jusqu'à 20 ans, Akadosh Baruch Hu ne traduit pas devant son tribunal, même pour les fautes qu'on a faites après la bar ou bat mitzvah, mais on peut parfaitement être à 20 ans déjà quelqu'un dont la beauté rouhanit est altérée. Mais à 7 ans, il y a une innocence qui est évidemment encore tout à fait parfaite, surtout c'est des gens comme Sarah. Ça c'est ce que dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Le Rav Soloveitchik, lui, il explique que les qualités qui chez les gens ordinaires sont au summum à 7 ans, mais disparaissent ensuite. Une certaine naïveté, une certaine tmimout, une certaine innocence. On va développer ça. En général, on la perd. À 20 ans, on a beaucoup de force, on a des idéaux, on veut changer le monde. En général, quand on arrive à 40, 50 ans, ces idéaux, on les laisse pour les partis de gauche, on était socialiste ou communiste. Je parle de ma génération. À 20 ans, quand on commence à rentrer dans les affaires de la réalité, on va voter à droite, on va dire le Figaro, etc. Et quand on arrive à un certain âge, on acquiert la sagesse que l'on n'avait pas à 20 ans et encore moins à 7 ans. Ce que dit le Rav Soloveitchik, il dit que Sarah avait cette qualité très très particulière que l'innocence de 7 ans, elle l'a eue toute sa vie. Elle n'a jamais décru. Le temps n'a pas eu de prise là-dessus. L'idéaliste de 20 ans, elle l'avait déjà avant, elle n'a jamais abandonné. La sagesse des gens âgés, elle l'avait déjà, même à 20 ans, voire même à 7 ans. Alors, pour pouvoir prier à Kadosh Baruch Hu comme il faut, nous devons retrouver notre naïveté de 7 ans. Savoir qu'à Kadosh Baruch Hu, on peut tout lui dire, ne pas être gêné, ne pas être blasé. Un enfant, dans son innocence, il a une capacité de prier parce qu'il n'a pas encore acquis ce trait de caractère que je ne définirai pas moralement, qui s'appelle le cynisme. Nous, les adultes, nous sommes souvent
cynique, blasé ou découragé. Un enfant n'a pas ses problèmes et donc nous devons être capables de prier à Kadosh Baruch Hu à toutes les étapes de notre vie comme Sarah l'a été de 7 ans à 127 ans. Pour 20 ans, c'est la pleine maîtrise de son corps et, comme je dis, l'idéalisme, le désir de faire bouger le monde, de ne pas se contenter de ce que nos parents nous ont donné, même quand c'est positif, et plus encore quand on le critique. On l'a tous critiqué. Quand on avait 20 ans, bien sûr, on était bien plus intelligent que nos parents. Il faut avoir 40 ou 60 ans pour s'apercevoir qu'on a fait une petite erreur, ou une grosse. Hein. Et ça fait partie des réalités. Chez Sarah, il n'y avait pas ses hauts et ses bas. Il y a eu une fonction continue, là c'est le prof de maths qui parle, hein, depuis le début jusqu'à la fin de son existence, aussi bien dans les qualités d'innocence et de lien spontané avec Akadosh Baruch Hu de 7 ans, que celle de vouloir changer le monde et d'être prêt à tout affronter, qui est la caractéristique de 20 ans, mais aussi encore, et ce n'est pas la moindre des qualités, la sagesse des gens qui ont beaucoup d'expérience de la vie, elle l'a eue très tôt et elle n'a jamais varié dans ses traits de caractère. C'est cela que la Torah veut nous dire en insistant sur le fait que l'on dise à 7 ans, à 100 ans comme à 20 ans, à 20 ans comme à 7 ans. Alors j'ai dit tout à l'heure, et j'y arrive, que le Sfat Emet analyse le sens de ce mot tamim, et il lui donne deux significations principales qui sont assez différentes l'une de l'autre. A priori, lorsque nous disons que Sarah a maîtrisé le temps et que ceci lui donne le qualificatif de temima et que ses années aussi sont temimot, on peut traduire ça par perfection, le caractère entier, intégral. Autrement dit, c'est un équivalent de Shelemut. Il y a un autre sens. Par exemple, lorsqu'un animal qu'on sert en korban n'a pas de défaut, on dit tamim. Et très souvent dans Vayikra, à propos des animaux qu'on offre en korban, on nous dit qu'il doit être tamim. Hein, c'est-à-dire sans défaut. Ça, c'est une acception du mot tamim. Mais il y a une autre signification de tamim. Par exemple, il est marqué dans la Torah, tamim tiyeh mashem elokecha. Je voudrais rappeler une gemara bien connue dans Shabbat à propos de Matan Torah. C'est marqué qu'il y a eu un tzedouki. Tzedouki, c'était une secte qui ne croyait pas en la Torah orale, qui a vu un des chachamim, c'était Rava, un des maîtres de la gemara, qui était en train d'étudier. Et il étudiait la gemara, la loi orale. Et il était tellement plongé dans son étude qu'il écrasait son doigt avec son pied. Et il l'écrasait tellement qu'il saignait. Alors ce tzedouki s'est moqué de lui. Il lui a dit, vous les juifs, vous êtes... Enfin, les juifs, il était juif aussi, halakhiquement. Vous les religieux, hein, pour parler comme on parle, hein, vous êtes vraiment des gens qui n'avaient pas réfléchi. Quant à Kadosh Baruch Hu a proposé la Torah, vous avez dit Naaseh v'nishma. Vous aurez bien mieux fait de faire nishma, de bien comprendre, avant de dire on va faire. La preuve, regarde, tu es encore en train de te casser la tête et tu es tellement plongé dans ton étude que tu ne t'aperçois pas que tu es en train de te blesser. Hein. Rava lui a répondu, ceux qui marchent dans les voies d'Akadosh Baruch Hu bitmimut, à eux s'applique un verset qui est dans Michelet, ou plutôt la première partie de ce verset, le troisième verset du chapitre 11 de Michelet, dit la chose suivante, Tumat yesharim, Tumat ça vient du mot tam avec un tav, hein, la simplicité, la naïveté, hein, on va expliquer, de ceux qui sont droits, Tanchem, c'est elle qui les conduit vers leur but. Et toi, par contre, dit Rava à celui qu'il critiquait, à ce tzedouki, à toi s'applique la fin du verset, Selev Bogdim Yeshadem. Les mensonges de ceux qui se sont révoltés contre l'autorité d'Akadosh Baruch Hu les liquidera totalement. Voilà ce que rapporte l'Akbara dans Shabbat. Et donc on voit ici que Rava explique la Tmimut, le fait d'avoir... Lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous a proposé la Torah,
répondu Kol Asher Diber Hashem Na'ase Venishma, c'est cela qui est défini par Tmimut. On voit qu'ici, c'est un genre d'acceptation inconditionnelle de ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Vous savez que lorsque Akadosh Baruch Hu a décidé de donner la Torah, il s'est adressé aux nations, d'abord, Midrash connu, et il a dit à Esav, tu ne dois pas tuer, à Ishmael, tu ne dois pas voler, parce qu'ils ont dit, on ne veut pas la Torah. Qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Nous, on n'est pas des imbéciles, hein. On ne va pas accepter la Torah les yeux fermés. Qu'est-ce que tu nous proposes? Et pour chaque peuple, Akadosh Baruch Hu leur a proposé ce qui leur était le plus contraire à leur nature. Ishmael, c'est le voleur par nature. Yad Kolbo, hein. Yado Bakol, Yad Kolbo, voir Rashi sur place dans la paracha de Lech Lecha, eh bien, il leur a proposé ce qu'il leur était plus dur de faire, ce qui allait contre leur nature. Même chose pour Esav, etc. Et alors, on peut se poser la question, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a pipé les dés, en quelque sorte? Voilà, c'est Goyim, c'est brave Goyim, hein, entre guillemets, brave. C'est brave Goyim qui demande, qu'est-ce que tu veux de nous? Tu crois qu'on va accepter les yeux fermés? On n'est pas des imbéciles, hein, on n'est pas des... Hein, tu ne vas pas nous rouler dans la farine. Qu'est-ce que tu nous demandes de la Torah? Ah, on demande de ne pas voler, mais tu rigoles. Et comment on va vivre? On demande de ne pas tuer, mais tu rigoles. Toute notre vie, c'est le meurtre. Hein? Alors, est-ce que c'était pas non sympa, caviarol, oui, provocation, si vous voulez, de la part d'Akadosh Baruch Hu? La réponse, c'est que non. Non, pourquoi? Parce que la Torah qui émane d'Akadosh Baruch Hu, la première chose que les hommes en question, nous ou les autres, aurait dû savoir, c'est que ça dépasse totalement notre compréhension. C'est quelque chose qui s'impose, et donc on ne doit pas se mettre au-dessus de la Torah. En disant qu'est-ce qui est marqué dedans, ça veut dire, moi je veux bien de la Torah si je la comprends et si je l'accepte. Mais si ta Torah, il y a des choses que je n'accepte pas, qui ne me conviennent pas, et donc en quelque sorte, déjà en disant qu'est-ce qu'il y a dans la Torah, il s'était disqualifié. Au contraire, Akadosh Baruch Hu leur tend une planche examen de rattrapage. Ah bon, vous êtes au-dessus de la Torah? Alors voyons voir, dans la Torah, il est marqué qu'on ne doit pas voler, qu'on ne doit pas tuer. Vous êtes prêts? Ah non, il ne faut pas exagérer, pas voler, pas tuer, non, il ne faut pas, faut quand même pas être à ce point-là. Et donc, effectivement, lorsque Akadosh Baruch Hu demande ça au Goyim, il n'est pas en train de les piéger, il est en train d'essayer de leur faire une séance de rattrapage, et ils échouent à la séance de rattrapage. Par contre, les Bnei Israël, ils ont dit « Naaseh v'nishma », ça c'est la position de celui qui est soumis à l'autorité d'Akadosh Baruch Hu. A priori, il accepte d'avance tout ce qui lui sera demandé. Alors, deux remarques d'abord. J'ai souvent eu l'occasion de le dire, et c'est le moment de le répéter. Ce n'est pas qu'Akadosh Baruch Hu souhaite qu'on fasse des choses qui sont illogiques ou incompréhensibles. Mais servir Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas servir notre propre compréhension. Et donc, le fait même d'accepter une mitzvah, avant de la connaître, c'est la base même de la Yirat Hashem et de la Avodat Hashem. C'est reconnaître la primauté et l'autorité d'Akadosh Baruch Hu et donc de la Torah sur notre propre manière de raisonner. La deuxième remarque qui est tout aussi importante et qu'il faut bien entendre, c'est que lorsque un esclave est soumis à son maître dans la société humaine, il fait pour le maître quelque chose qui est l'intérêt du maître. Et il n'a pas le choix parce que sinon on va le priver de manger ou on va le torturer ou on va le rejeter. Par contre, nous, les Avdil, lorsque nous sommes Avdei Hashem, soumis à l'autorité d'Akadosh Baruch Hu d'une manière inconditionnelle, toutes les mitzvot que nous faisons, le Tov lanu, le Cholayamim, le Chayotenu, Kayomazé, elles sont là pour notre bien à travers toute notre existence et pour nous faire vivre d'une manière digne, comme c'est le cas. J'ajoute, et je terminerai là, j'ai pas le temps de dire tout ce que je pensais pouvoir dire. Rabbeinu Yona explique dans un commentaire sur une Mishnah de Pirkei Avot que vous connaissez peut-être et qui pose un problème technique presque insoluble. C'est marqué « Celui dont les actes sont supérieurs à la Chochma, sa Chochma va tenir. Celui dont les actes sont inférieurs à la Chochma, sa Chochma ne sera pas stable et elle risque de s'effilocher, voire de disparaître. » Et Rabbeinu Yona, un des grands maîtres du Moyen-Âge, il dit « Mais je ne comprends pas que mes actes soient supérieurs me roubime, plus nombreux que ce que je sais. Comment est-ce que je peux faire plus de mitzvot que celles que je connais? » La démarche logique, c'est j'apprends les mitzvot et après je les fais. Comment voulez-vous que je fasse des mitzvot si je ne sais pas quelles sont les mitzvot? Donc comment est-ce que mes actes peuvent être me roubime, plus nombreux que ma connaissance de la Torah? Et il répond de la manière suivante, qui est très intéressante.
Qu'est-ce qu'ils ont dit les Bnei Israël? Naaseh v'nishma, c'est-à-dire qu'ils ont accepté à l'avance inconditionnellement tout ce qu'Akadosh Baruch Hu leur demanderait. Il dit il en va de même pour chaque individu. Dans la mesure où quelqu'un accepte à l'avance, il est débutant, Baal Tshuva, il n'a jamais étudié la Torah, il va voir un rave et lui dit il y a 613 mitzvot, il y en a 100 ou 120 qui sont applicables immédiatement et tout, est-ce que je suis prêt à toutes les faire? Je suis prêt à les faire toutes. À partir du moment, dit le Rabbeinu Yona, qui est de grande autorité, à partir du moment où on s'engage à l'avance à faire toutes les mitzvot, on a déjà le mérite comme si on les avait faites. Et donc je peux avoir des maasim. C'est comme des maasim. Le Sfat Emet dit c'est même mieux que des maasim. Le Sfat Emet dit, vous savez, il y a une halakha qui dit que lorsqu'on a voulu faire une mitzvah et qu'on en a été empêché, or le fait de ne pas la connaître, si on a fait ce qu'on pouvait pour savoir et qu'on ne sait pas encore, on n'est pas tous des savants en essence. Ce que l'ange nous a appris dans l'utérus maternel, on l'a oublié. Donc on est obligé d'aller progressivement. Donc on ne peut pas avoir tous les maasim. Mais si je suis prêt à faire une mitzvah et que j'en suis empêché, c'est comme si je l'avais faite. C'est une halakha. Le Sfat Emet, il dit à ce propos, et c'est très joli et c'est extraordinaire, il dit une mitzvah que j'ai voulu faire, que je n'ai pas pu faire, puisque c'est Akadosh Baruch Hu qui me la décompte, il me la décompte comme si Kaviachol, c'est Hachem qui l'avait faite. Elle est donc totalement parfaite, elle n'a aucun défaut. Toutes les mitzvot qu'on fait concrètement avec, tout ce qu'il y a d'insuffisant chez l'être humain, ce seront peut-être des belles mitzvot, mais elles ne seront jamais 100% parfaites. Par contre, une mitzvah que je voulais faire, et que, pour des raisons évidemment qui ne dépendent pas de moi, je n'ai pas pu faire, Akadosh Baruch Hu me la complète, et me la complète d'une manière qui est supérieure à toutes les mitzvot que je fais réellement. Alors, conclusion, soyons aussi sages à 7 ans qu'à 100 ans, malgré tout. Hein, quand vous aurez 7 ans, soyons aussi déterminés à 100 ans qu'à 20 ans, et qu'Akadosh Baruch Hu veuille bien avoir pitié de nous et effacer tous les malheurs, que le Mashiach vienne très vite et console tous les affligés. Amen, amen.